Bonjour tout le monde, ici Caribou Kaidek vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Lost in Random live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Le Comchino, troisième du Nord. Ah! Oh.
marrant. Vous allez bien? I'm fine. Très bien. I'm gonna je vais bientôt mourir au combat et avant ça, ça me faisait peur. And I did feel bad about it. Mais maintenant, je m'en fiche. But now I feel fine about it. Vous avez les yeux noirs? Je suis lucide, petit. Vous devriez vous calmer. Et toi, tu devrais arrêter d'importuner les inconnus, petit. Allez, hip. Ousse, petite fille. Trade it here for a new one with me, old Manny Dix. Welcome to Warrior. Bienvenue à l'entraînement des guerriers. C'est toujours mieux que les exercices de respiration de l'Oga. Pour commencer, on va descendre d'une pine de jus. Non, pas d'hésitation. La guerrier ne connaît pas l'hésitation. Et maintenant, entraînant à la hache, allez, on cogne. Fais comme si tu abattais un arbre. Tu viens de tuer ton ami avec une hache. T'es une vraie guerrière. Je pense que je vais mieux d'y aller. Et moi, je pense que tu devrais t'entraîner plus fort. Et maintenant, on va travailler les cris de guerre. Le but, c'est de crier pour faire savoir à tes ennemis que tu es là. Le but d'effrayer et de faire mourir de peur. Le but est de crier assez fort pour faire mourir les inconnus. Tu peux y arriver? Oui. Et pour finir, on va parler de motivation. Est-ce que la guerre a besoin de motivation? Non. La motivation, c'est pour les acteurs. Un guerrier, il lui faut de l'inspiration militaire. Pourquoi tu te bats pour la gloire? Non! Pour un des triplés? Non!
Tu te bats pour la guerre parce que la guerre a besoin des guerriers et que les guerriers ont besoin de la guerre. Et pour tous les guerriers, chaque guerre est une nouvelle guerre. Et pas assez répété le mot guerre, on remet une couche guerre. Even wondered what she'd been caught up in. Oh, but at least Père se demandait un peu dans quoi elle était tombée, mais au moins elle était motivée. L'entraînement des guerriers est terminé. Merci. La baronne vivait au sommet de la colline du jour qu'elle avait transformée en caserne au camp d'entraînement militaire. Ce n'était vraiment pas un endroit pour une petite fille, mais pense à Père, pas plus que le reste du royaume. Non, putain. Thank you.
My bad. Oh, Liz! Mind went to a dark place there. This is what actually happened. Pourquoi je recommence tout ça? I've got cards to trade.
facile. Eh bien, ma foi, c'est impressionnant. La plupart des intrus meurent bien avant d'arriver ici. Comment un enfant comme toi a-t-il pu arriver jusqu'ici? J'ai vaincu le sphère incompétent. Oh, très drôle, j'imagine que tu t'es faufilé dans le dos. Tu as eu de la chance. Repos, petite. Je m'appelle père. Dans ce cas, repos, père. Regarde-toi. Tu es trop jeune pour être une recrue, tu as l'air si fragile. Je préfère être fragile qu'un méchant. Méchant, c'est le compliment que je fais pour un plus entier respect d'autorité. J'en déduis donc que tu respectes la mienne. Que puis-je faire pour toi, père? Parlez-moi de la guerre. C'est très simple en vérité, mais cela nécessite une stratégie complexe. L'un de mes frères ou des deux peut être vaincu. Notre garde du corps a tué notre père. Pour moi, c'est intolérable. J'ai donc décidé de me battre et quand je l'aurai gagné, ils devront répondre à leurs crimes. Nishka, garde du corps, il est toujours vivant. Ça ne me surprend pas. Nishka est coriace. Si quelqu'un peut survivre là-dedans, c'est bien elle. C'est elle qui m'a appris à gagner ce combat. Elle m'a appris de ne jamais abandonner. Elle m'a appris l'importance du devoir. Venez la voir avec moi. Non, ce serait un grave manque à mon devoir. Me voir là-bas ne serait plaisir à personne, ni elle ni à moi. J'ai trop de respect pour nous deux pour faire une chose pareille. Sinon, comment va-t-elle? Elle est un peu bien, peut-être qu'elle a une petite visite. Elle a besoin d'aide pour se retrouver l'identité de l'assassin. Elle ne va pas bien, peut-être qu'une petite visite là. Impossible, je suis occupé à faire la guerre et à la gagner. Vous pourriez peut-être me donner un souvenir pour lui rafraîchir la mémoire. Non seulement tu débarques ici sans crier gare, mais tu me demandes un cadeau. Tu manques pas de toupet. Cela dit, j'aime bien ton courage, écoute bien. Il se trouve que je possède un bras mécanique de Nishka. Si tu parviens à m'en emparer, il est à toi. Vraiment, merci. Son bras va l'aider à se souvenir de vous. De rien, comme si je l'ai dit. Pour l'avoir, il se suffit de le prendre. Ce bras est l'objet de mieux garder de mon domaine. Tu me plais bien, petit. Alors laisse-moi te dire une chose. Si tu sais, tu échoueras, tu pourrais même mourir. Si tu veux quand c'est retourne dans le taudis où tu n'as jamais dû sortir. Ce que faites-vous ici, au juste? La guerre, soldat, comme tous les leaders le font, la guerre, et comme tous les grands leaders, je la gagne. Mon frère a un fléau qu'il est de grand temps d'éradiquer. Il pourrait dire la même chose de vous. Oui, sans doute. Vous voulez bien me donner le bras mécanique de Nishka maintenant? Peux-tu vaincre les robots pour ton appareil? Non, eh bien, voilà ta réponse, père.
closer, even. Vous pensez que t'es pas de vaincre vos frères? Me, ah, moi, je perds contre un dandy dégénéré et cinglé. Impossible. Even if impossible, they had the sense même s'ils avaient l'intelligence de s'allier un camp. Les deux camps, moi, j'aurais gagné aujourd'hui même. D'ailleurs, si les maudits colosses avaient pas perturbé mes manœuvres en temps normal, ils se déplacent qu'une fois par jour. C'est tellement illégal, jeune recrue. Je ne suis pas une recrue. Sorry, force of habit. C'est la force de l'habitude. Comment votre père est mort? Subitement, je crois. Je suis arrivé trop tard. L'arme du crime est encore là, mais par la suite, quelqu'un l'a pris et caché dans la tête de son robot géant personnel. Le robot a depuis longtemps été détruit. La reine Alia a ordonné son démantèlement après la mort de mon père. Elle le craignait, je crois, et sa mort a grandement facilité son accession au pouvoir. Enfin, surtout, ne répétez à personne. Oh oh, salut. Even knew what she needed to do to get something that would jog. Père savait qu'elle avait à faire s'emparer du trésor le mieux gardé, le plus militarisé qui soit afin de raviver la mémoire de Nishka. She knew it would be hard, but she also knew that the chance of ending this war, if indeed she could end it. En cas de succès, elle parviendrait peut-être à mettre un terme à la guerre. Je reviens dans 15 secondes, dans une minute. Le défi de la baronne, détruisez le tour pour mettre fin au combat. Pour gagner ce jeu, vous devez détruire la tour à canon rotative de la baronne en la submergeant sur un tir de canon situé autour, tout autour. Lorsque la pièce s'arrête sur une case de canon, un canon apparaît. Vous devez ensuite tirer sur son bouton pour déclencher un tir de canon. Lorsque la pièce s'arrête sur une case mur, un mur apparaît pour vous fournir une protection contre les tirs de canon de la baronne. Astuce, pensez à utiliser la carte de maître de jeu.
button to fire the cannon. En train de jouer, ouais. To fire the cannon. Shoot the button to fire the cannon. Ah!
two cannons. Button to fire the cannon. Shoot the button to fire the cannon. Halfway through the board game.
button to fire the cannon. Button to fire the cannon. Button to fire the cannon. We're nearing the end of this board game now. Shoot the button to fire the cannon. Yes. Yo, 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 Mike, McCry. Ça va? Et voilà. Regardez le bras mécanique de Niska. Non, c'est impossible, je refuse. Donnez-moi. Ah ouais, le golf est ouvert. Plutôt la préparation, je l'ai gagné un combat loyal, un butin de guerre. J'imagine que je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je pourrais faire une belle carrière dans mon armée. Très bien, garde-le. Non, ne lui dis rien. Traite-le bien, c'est tout. Elle l'a au moins mérité. With Nishka's
Les Vranishka sous le bras. Père pouvait enfin retourner voir l'ex-garde du corps de la baronne. J'espère que ça suffirait à réfléchir de tout. Mais aujourd'hui, on a piqué les verres, on a semé, puis au bas, ouais, toi. Est-ce que toi, tu joues au golf? Ça fait la terre, non? Ah. Tu te débrouilles un peu comme ça. Une fois encore, les colosses bougèrent, des fois en faveur du camp. Cette femme me manque tant, ça m'intéresse pas, moi. Soit assez bas. J'aime ce jeu-ci, j'ai hâte de le terminer, là. Ça va prendre encore un bon bout, là. Ce serait pas la veille, là, mais... Ouch. Moi, je suis classé retardé mental, I guess. Calice. As-tu joué niveau à... Chernobylite?
Toujours là, Mick. Oh, tabarnak. Bon. All bets are off when you've got a new card from old Manny Dix. Maudit, ce jeu-là est bon, l'histoire est bonne, tout est bonne. Eh bien, une alerte d'une machine depuis longtemps inactive. Et qui vois-je, toi? Je te parle, fillette. Que voulez-vous? La question n'est pas de savoir ce que je veux, je peux donner forme au moindre de mes désirs. Le monde lui-même se plie à ma volonté. Ah, mes petits, j'ai deux dés. Je suis la reine, jeune fille. Et toi, tu es loin de chez toi, n'est-ce pas, petite Unarde? Rendez-moi ma sœur. Est-ce donc moi qui détiens ta sœur? J'ai tant d'enfants, vois-tu, tant d'enfants. Ça faisait une éternité que personne n'avait perturbé la tranquillité de cet endroit. Je devrais peut-être garder un œil sur toi. Quel est ton nom déjà? Je ne voulais pas donner. Et tu ne me donneras sans doute pas. Tu aimes le frisson de l'insubordination. Tu aimes désobéir à tes supérieurs en regardant droit dans les yeux, mais méfie-toi, car la patience des êtres supérieurs a des limites. Enferme-la, fille. Ensuite, détruis-toi et elle est avec. Oui, majesté. Je m'appelle Père, espèce de sorcière. J'ai déjà entendu ce nom, dans un rêve peut-être. Tu es une petite fille seule à la dérive dans un monde où tu n'as pas ta place. Ton affaire est faite de douleur et de tristesse, ton avenir. Personne ne pourra m'empêcher de la sauver. Des mots, de simples mots, bien d'autres que toi m'ont déjà essayé. Tous ont péri, et tu subiras le même sort. Moi et Dessy, on va. Un dé? Tu as un dé? Dis-moi, père, d'où vient ton ami? As-tu la vallée? As-tu trouvé la vallée aux mille dés? Dis-moi où elle est, père. Dis-moi où tu as trouvé ce dé avant que je... L'arme du crime. L'arme qui a pris la vie de feu du roi du royaume. Un tel objet pourra sûrement aider Niska à retrouver la mémoire.
sur lui. Je commence à perdre patience, père. C'est trop lent. Even. Père, il fait si froid. Et ce n'est que le début. J'ai bluffé. Vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous. Je fais ce que je peux, d'accord? J'ai besoin de plus de temps. Tout le monde a besoin de temps. Et il faut du temps pour mourir, surtout pour mourir de froid, un temps délicieusement lent. Et il en faut le temps pour mourir, surtout pour mourir de froid, un temps délicieusement lent. Je suis un mauvais. C'est bien ce que je crois, oui, oui, c'est exactement ça. Je suis vraiment fier à lui, je ne porte pas encore la pérille de cette époque, mais attends, nous sommes tous sur les genoux, ce qui veut dire que Père nous aimait tous équitablement. Vous avez promis que je donnais quelque chose pour aider Knishka à retrouver la mémoire. Ah, well, mais c'est vrai. Je porterai ma terriblement déçu. C'est un pendant, cette chose, sans valeur pour une roturière comme toi. C'est la représentation de toute une fortune, mais je ne remarquerai même pas son absence. Que plus personne ne dise que la noblesse n'est pas aussi généreuse que gourmande. En même temps, se souvenir auprès du duc. Père avait fait un grand pas vers son objectif. Et Niska serait mémorisé cette nuit fatale. Le portrait de la famille de duc a d'abord demandé, puis rejeté. Voilà qui devrait rafraîchir la mémoire. Ben was one step closer to being able to trigger Nishka's memories of that fateful night. This trade cards. Sometimes I feel like it's my sole purpose in life. Oi, oi, looking to get an invincibility potion, are you? You've come to the wrong place. I've got cards, though. Yeah. Point d'exclamation jaune là-bas. Tenez, voilà votre Shmoo. Oh, Shmoo, you're back. Tu
Tu es de retour, espèce de drap chenapan. C'était mort d'inquiétude, je devrais te gronder, mais ta petite bouille est trop fréquente. On a fait ça quand je nomme troisième vivant. Te voilà enfin de retour auprès de ton papounet. Tu peux être fier de toi, noble enfant. Tu m'as apporté mon chenou, ce qui est l'exact contraire d'un assassinat que dans. J'en suis éternellement reconnaissant. Voici le doigt, je t'ai promis. J'espère qu'il t'aidera à éclaircir la vérité sur la mort de mon père. Eh bien, ce doigt au juste. Cette scène de crime est depuis longtemps devenue un champ de bataille, mais l'un des serviteurs y a ramassé ce doigt. Tiens, porte-le fièrement. T'as remarqué que son petit compagnon semblait vouloir lui dire quelque chose. Quoi, mais bien sûr que je t'aime, Décise, tu en as douté? Qu'est-ce qui peut te faire commencer le contraire? Nous sommes tous les deux dangereux, ce n'est pas seulement toi. Ça m'est égal de ne pas connaître ton passé. Ce que je sais, c'est que tu es maintenant, tu es mon ami pour vrai. Nous aimons les gens, n'oubliez jamais ça. Tu es puissant, mais pas effrayant. Tu es quelqu'un de bien. Cette statue que tu as déplacée, tu sais ce que c'est pas parce que tu es différent, c'est que tu es forcément mauvais. Je trouve que tu es impressionnant, pas effrayant. Tu as un potentiel incroyable, t'en es conscient, non? Si tu veux tout savoir, eh bien oui, tu me faisais peur au début. Oh, Decisus, toi aussi tu es comme un frère. Je vais te dire une chose, je crois que tout le monde a deux familles, celle dans laquelle on est et celle qu'on rencontre plus tard quand on est prêt. Je pense que c'est par là. Et le voilà. What were we talking about again? De quoi parlons-nous déjà? Le camp m'a donné le doigt. That finger. Le doigt, je me rappelle quelque chose. Something. Ouais, pendant le combat avec le roi et genoux. Ça m'échappe, mais j'ai l'esprit plus clair. Passe-moi, père, apporte-moi d'autres objets. J'ai un autre objet à vous montrer. De quoi parlons-nous déjà? Le duc m'a donné ce portrait. Ce portrait, les enfants, les triplés et leur père. Titania, salut! Leur pauvre père, le roi mort, tu es assassiné pendant qu'il... Ah, ma mémoire est trop floue, apporte-moi d'autres objets pour me les raviver. J'ai un autre objet. La baronne m'a donné votre bras. Ouais. Oui, je me souviens, j'en suis servi pour défendre le roi quand... La nuit où... Mais ensuite il a... Comme c'est frustrant, je t'en prie, apporte-moi d'autres objets. Ça va revenir d'un coup, j'en suis sûr. J'ai d'autres objets, de quoi parlons-nous déjà? J'ai trouvé l'arme qui a tué le roi. Pas le grand faiseur, ça me revient. L'attaque était si rapide, si sauvage, nous n'avons rien pu. Je l'ai sur le bout de la langue, mais ça m'échappe, je... Désolé, père, que parlons-nous déjà? L'arme du crime.
Je t'en prie, père. Apporte-moi d'autres objets. Ça m'aide beaucoup, mais si on avait tous, je suis sûr que la mémoire me reviendrait. Voilà, nous avons vu tous les objets. Pouvez-vous me dire à présent qui a tué le roi et déclenché la guerre? Oui, père, tu as réussi. Quand je les vois comme ça, tous ensemble, je me souviens de tout. Par le grand faiseur, tu m'as sauvé. Bon, qui est le petit malin qui a sonné la cloche? C'est un piège, je savais, assassin. C'est toi le piège, espèce de meurtrier. Qui? Je m'écoute. Silence, les enfants. Ishka, tu es vivant. Vous devriez avoir honte. Vous avez plongé son précieux royaume dans le chaos et dire qu'il était si fier de vous. Comment avez-vous pu tomber si bas? Vous avez sali sa mémoire. Écoutez-moi, j'étais présent lors de la nuit fatidique où votre père est mort. Et Nishka, garde du corps, leur raconta l'histoire de cette triste nuit. C'est une histoire de vigilance prise au défaut. Une lame opposée à un bras mécanique et d'un meurtre de sang-froid. Je me préparais à lancer mon dé. C'était comme ça qu'on se battait à l'époque. Mais ce serré-là n'était pas du genre à respecter les règles. Il trancha mon fidèle bras et je lui rendis la monnaie de sa pièce en tranchant son petit doigt. Et ce traître avait pour nom Sombre Nuit. Bernard, salut père, tu vas bien? J'aurais dû être à vos côtés, j'aurais dû être la mort de votre père. J'étais folle de honte, je suis désolé. Alors cette guerre n'aurait rien servi. Vous voulez dire que cette guerre a éclaté parce qu'aucun de vous trois a pris la peine de vous parler? Vous êtes lamentable. Titania, what's up? Thanks for the outfit, Bernie. Merci pour le costume, Bernie. Ça va aller maintenant. Bien sûr. Pas de problème, je peux rentrer à Unimbo, les yeux fermés. Ne t'inquiète pas. Père, je vais veiller sur lui. Ah oui, et aussi bonne chance. Je ne suis pas très doué pour les adieux. Passe une bonne journée, père. Ah, j'ai failli oublier. Tu aimes les points, pas vrai? C'est tout ce qui me reste de sombre chose quand tu vas le vaporiser. C'est bizarre, hein? Merci. Salut, les gars. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. La gondole d'araignée. Alors, du maître des règles. Des petits points sur la patte, apportez-les au point d'issier pour qu'il attache les décises, le rendre encore plus fort. C'est qui le point d'issier? Ou plutôt, je sais c'est qui, mais il est où? Oh, c'est lui? Non.
is so sad. A brilliant warrior and protector, but now hopelessly insane. You mustn't listen to what she says, stranger. It's all madness. This bell belonged to my family, don't you know? It still does. Imagine qu'elle appartient toujours. Ça, je peux essayer d'un objet pareil. L'objet doit être propriétaire. Je suis un noble, vois-tu, comme la plupart d'entre nous, d'ailleurs. Comment ça doit être bien pour vous? Mais sans doute, je dois avouer que je ne connais pas d'autre mode de vie. Elle appartenait aux triplés, et avant cela, sa majesté le roi de Royon, quand il était encore en vie. On va des familles royales comme des serviteurs. Plus le manoir est grand, plus il y en a. En effet, mais je suis suffisamment loin dans l'ordre de succession pour me mettre dans l'écart de toute cette agitation. Maintenant que j'ai pas j'ai un cousin éloigné que j'ai perdu depuis le début de la guerre civile. Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again, I'd tell her that I miss her, that's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I miss her, but it's too dangerous for me to go stumbling around in the battlefield. Please excuse me. No. Je me demande si je veux pas aller trop loin là. Si, attends. Bye tout le monde. Comme ça, le petit Bernard revient la queue entre les jambes. Hein? Comment on est trop effrayant pour toi. Parfait, parfait. Je m'occuperai de toi plus tard. Mettons-nous en route. On nous attend. Je pensais que c'était impossible, mais j'ai trop mangé. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Lost in Random, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!